she holding now. She ain't giving to the needy, huh? You go downstairs and fall asleep. Yo, c'est la fin de cette 2. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aïe, aïe, aïe. Vidéo sur Aquaman. Alors, pour ceux qui me connaissent de YouTube d'il y a un petit moment ou autre, je suis extrêmement, mais genre extrêmement fan de tout ce qui est super-héros, etc. Genre, je dois connaître quasiment tout, presque. Et Aquaman fait partie de ce que j'attendais. Alors, en fait, le réalisateur d'Aquaman, donc James Wan, avait dit, enfin, devait sortir une bande-annonce il y a un moment et avait dit qu'il le faisait pas. Alors, selon ses dires en tout cas, parce qu'il attendait que ça soit. Il attendait en fait que la bande-annonce soit vraiment travaillée, qu'ils aient un maximum de choses, pas qu'ils sortent une bande-annonce pour entendre derrière c'est mal fait, c'est mal fait, c'est mal fait, c'est mal fait, c'est mal fait. Donc, tout à son honneur, clairement. Donc, Aquaman, qui est joué par Jason Momoa, pour ceux qui voient pas qui est Aquaman, c'était le mec avec les longs cheveux noirs, plein de tatouages, le trident qu'il savait pas utiliser dans Justice League. Voilà. Et Amber Head, alors Amber Head qui est censée être Mera. Et alors par contre, il y a quelque chose duquel j'ai peur, c'est que et alors ça, pour le coup, si vous connaissez pas trop Aquaman, retenez juste ça. Dans Justice League, il y avait en fait une fille qui est censée devenir plus tard la femme d'Aquaman. Et en fait, cette personne-là est censée dans les comics être rousse. Donc légèrement rousse, on va dire, elle est censée être rousse. Sauf que dans l'eau, dans les profondeurs de l'eau, etc., le roux forcément sort peut-être un peu plus brun. Dans Justice League, il l'avait fait quasiment brune. Et les gens s'étaient énervés en disant « Ouais, elle est brune, elle est pas rousse, etc. » Sauf que je connais DC, avec leur folie, ils sont capables de lui faire les cheveux rouges maintenant, histoire de dire « Vous voulez du roux ?» Voilà, là elle est rouge. Donc le problème, c'est que... Et j'ai vu des images entre-temps, donc de la bande-annonce, des images, hein, pas des morceaux de vidéo, juste des images, où elle ressemblait à Ariel, en fait, donc Ariel, la petite sirène. Genre, elle avait des cheveux rouges, mais un rouge écarlate, un rouge qui sortait du décor totalement. Donc j'espère qu'ils ont moins forcé sur ça, qu'ils ont arrangé la bande-annonce entre-temps, même si j'y crois pas beaucoup. On va voir ce que ça donne. Film qui sort le 21 décembre, normalement. En décembre. Go. Mon père était gardien de phare. Ouais. Et ma mère était reine. Bah elle était surtout évanouie, mais là. La vie a le don de rapprocher les êtres. Tu uniras peut-être nos mondes à beau jour. Viens voir, il y a Arthur qui parle aux poissons. Lâchez-moi ! Voilà. C'est eux qui ont fait de moi ce que je suis. Let's go. Permission de monter à bord. Je te trouve enfin. Ton demi-frère, le roi Orm, va déclarer la guerre au monde de la surface. Il n'y a qu'une seule façon de sauver la paix. Tu dois prendre ta place de roi légitime. Crois-moi, j'ai rien d'un roi. Moins tu réfléchis avant d'agir et mieux tu agis. Elle ressemble vraiment à rien, encouragement. Trop motivant. Je te conseille de bien t'attacher. Te voilà de retour chez toi. Mais c'est archi bon. Putain. Mon frère est venu du monde de la surface pour me disputer le trône. Moi je dirais pour te botter les fesses. J'ai pas l'arme d'un chef. Let's go. Je suis venu parce que j'avais pas le choix. Je suis venu sauver mon pays et les gens que j'aime. Ariel, avec Ariel, ouais. Chef, car tu viens de deux mondes. Mais c'est exactement cela qui t'en rend digne. C'était de la balle. Black Manta. La guerre se propage à la surface. Et la fureur des sept mers m'accompagne. On y est. Où est-ce que tu vas? Arrête! Elle a même pas de parachute! Ah, c'est rousse, irrésistible! Ah, merde. Ouais, bah oui. Envoyez les vagues. Clairement, ouais. Ouais. La bande-annonce. Parfaite. Clairement, la bande-annonce, j'ai rien à dire. Maintenant, le dialogue français, je suis sûr qu'il a été pas mal changé. Parce que
l'histoire de... En fait, ce que je vous conseillerais, ça serait de regarder la vidéo en anglais sous-titrée français. Je pense que je vous conseillerais celle-là. Parce que la blague à la fin en mode assez rousse, irrésistible, je suis pas sûr qu'aux États-Unis, là où ils ont un vrai problème avec les rouges, je suis pas sûr qu'aux États-Unis ça fonctionne. Genre comme blague, je suis pas sûr que ça fonctionne aux États-Unis. Donc je pense pas que ça doit être la blague originelle. Même le truc en mode je suis fort pour te botter les fesses et tout, botter les fesses de quelqu'un, c'est du typique français. Ou du typique, ouais, je dirais même pas typique européen, c'est du typique français. Donc, effectivement, c'est un peu différent. D'ailleurs, j'attends toujours que vous me preniez pour un film à DC. On dit ça, on dit rien. En tout cas, non, Aquaman, clairement, j'attends le film. Clairement. Après, le souci avec DC, ça reste le même souci depuis je sais pas combien de temps, c'est qu'ils sont très bons pour faire des bandes-annonces. Ça, c'est des professionnels. Par contre, une fois que t'arrives devant le film, ça pose problème. Et là où on va dire, je suis un peu rassuré, c'est qu'ils en montrent pas trop. Il te montre juste que c'est un fou furieux. Et c'est vrai, parce que je suis désolé, mais Aquaman, quand tu regardes les capacités du mec, c'est vraiment un fou furieux. Et alors, la scène à la fin avec le monstre que vous voyez avec la mâchoire sur le côté, ça me rappelle la bête qu'on a dans Jurassic World et Jurassic World 2, du coup. Vous savez, le dinosaure genre incontrôlable qui est au-dessus de toute la chaîne alimentaire. Ben, Aquaman, c'est le genre de mec qui pourrait contrôler cette bestiole-là. Donc à partir de là, tu sais qu'il est chaud. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Stellosters. Franchement, j'attends une deuxième bande-annonce. Pas tout de suite. Faut laisser un peu les gens kiffer celle-là, assimiler le personnage, etc. En tout cas, pour moi, dans ça. Alors, en sachant que l'histoire est censée se passer après Justice League. Elle se passe après Justice League. Donc, puisqu'elle se passe après, il y aura des légitimités à dire que ses pouvoirs ont augmenté entre-temps. Là où. Par exemple, Black Panther, désolé pour la comparaison, mais Black Panther, on le voyait dans Civil War, il était moyen, on le voit dans Black Panther, on voit qu'il est chaud, et on le voit dans Infinity War, c'est devenu une merde. Donc là, au moins, c'est dans l'autre sens, au moins on peut expliquer qu'il devient plus fort, etc. Donc là, ça passe. Et ouais, au moins ils vont peut-être réussir à rendre un prestige à Aquaman, là où dans les comics, le personnage était limite. Donc franchement, ça va être cool. Stellosters, j'attends ce film avec impatience. Tchuss!